Jean-Pierre Petit et le modèle Janus, bienvenue dans Versus 1.3. Bon alors si vous faites partie de ceux qui veulent absolument commencer par le troisième épisode d'un débat sur la cosmologie sans avoir vu les épisodes précédents, je ne peux rien faire pour vous. Cher Jean-Pierre, allons droit au but, c'est quoi le problème avec Janus? Vous reprochez à la matière noire d'être une solution ad hoc que nous échouons pour l'instant à prouver de façon expérimentale, et vous reprochez à son modèle, le modèle lambda CDM, le fameux modèle standard, d'utiliser 6 paramètres libres, ce qui peut encore se discuter parce que bien sûr on le fait pas sans raison. Vous reprochez également, dans vos vidéos, aux nombreuses théories concurrentes, d'utiliser des paramètres ad hoc et de faire des prédictions non vérifiables. La matière de masse négative dans le modèle Janus, vu qu'elle n'est observable que par effet gravitationnel, est-ce qu'elle n'est pas techniquement ce qu'on pourrait appeler de la matière noire? Je sais pas si c'est un gros mot, au niveau du truc... Et on l'a vu, tout le modèle Janus repose lui aussi sur quantité d'hypothèses non vérifiées. L'existence d'une masse négative, la quantité de cette masse négative, la seconde métrique... Et dans vos dernières vidéos, vous parlez carrément d'une modification des constantes conjointe, modification des constantes cosmologiques à travers le temps, c'est-à-dire que la vitesse de la lumière et toutes ses copines, là, n'auraient pas eu la même valeur au fur et à mesure du temps. Quand même convenir que ça fait beaucoup de suppositions non vérifiées, voire invérifiables, pour faire tenir tout l'édifice. Alors moi, je dis pas que c'est un mal en soi, parce que c'est comme ça que fonctionne la recherche, en partie. Mais du coup, pourquoi le reprocher aux autres? Un des tout bons points de Janus, par exemple, c'est d'expliquer la matière noire et l'énergie noire d'un seul coup. C'est une chose que vos concurrents, à ma connaissance en tout cas, ne font pas. Mais il faut bien comprendre que cet hypothétique phénomène, que vous n'expliquez pas encore de façon quantitative en plus, crée beaucoup de questions, et du coup c'est un petit peu comme si on déplaçait le problème. Alors en soi, c'est de nouveau pas un point négatif, c'est de la recherche, mais ça permet toujours pas de se prononcer sur la supériorité de Janus. En résumé, on se retrouve avec deux modèles qui s'affrontent, le modèle lambda CDM, le modèle standard, et le vôtre, et je me demande si c'est bien utile de les comparer. Vous l'avez dit vous-même, le vôtre n'a pas bénéficié d'une équipe de recherche, comme c'est le cas pour les autres modèles. Une équipe qui aurait pu vous faire gagner du temps, vous suggérer d'autres travaux, comme on l'a fait avec les trous noirs. Une équipe qui aurait pu vous offrir des suggestions issues d'autres disciplines, comme la mécanique quantique ou les mathématiques. Et du coup, le fait que vous ayez passé seul 40 ans là-dessus, bien que ce soit très impressionnant et hautement remarquable, et puis c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a eu D'Agostini et Sorio, etc. Je sais pas s'il y en a eu d'autres, mais j'imagine que vous avez des petits coups de pouce. C'est un argument qui ne nous permet pas de comparer la qualité de vos efforts avec le contexte de recherche habituel. Je parle vraiment de comparaison. On peut par exemple pas dire qu'un cuisinier qui a passé 40 ans dans une grotte à créer une recette avec des silex et des racines a plus ou moins de mérite qu'un grand chef cuisinier qui aurait accès à une cuisine et des produits de qualité. Je caricature, mais c'est l'idée, quoi. Le cuisinier dans sa grotte a peut-être plus de mérite, mais il y a vraiment très peu de chances que sa recette soit aussi au point que s'il l'avait fait avec des racines de qualité dans une grande cuisine. Alors il y en a qui pourraient dire « Oui, mais dans sa grotte, il a un goût et un parfum qui blablabla... » Oui, mais non. La comparaison ne peut pas aller aussi loin que ça. En fait, je m'adresse surtout à certains internautes là qui considèrent que les 40 ans, c'est un argument en faveur de la véracité de Janus et de sa supériorité. C'est tout l'inverse. N'importe quel scientifique, même Jean-Pierre Petit, manifestera plus de méfiance envers les travaux d'un gars qui a fait quelque chose tout seul dans son garage qu'envers les travaux qui ont été réalisés dans un labo. Je parle de méfiance, de quantité de méfiance. Il ne s'agit pas de choisir à l'avance si c'est vrai ou pas vrai, c'est juste la méfiance. Enfin voilà, ça c'était juste pour l'argument du scientifique tout seul dans son labo depuis 40 ans. On ne parle pas d'un peintre et de sa toile. Faut oublier l'image du scientifique fou seul dans son labo, qui est un grand génie, etc. Ça, c'est une mauvaise image. La solitude, c'est un générateur de problèmes, c'est un générateur de manque de recul, et pas du tout une qualité en science. Mais vous le dites vous-même, Janus est un gigantesque chantier, un chantier qui mérite d'exister, qui tient debout, mais j'ai envie de dire tout autant que ses concurrents. Un chantier 1000 fois plus escarpé que le lambda CDM, par manque de moyens humains et techniques, ce qui était inévitable dans vos conditions. Et il n'empêche que, malgré tous ces obstacles, vous avez réussi à faire de Janus un modèle 100% valable sur le plan conceptuel. Un modèle 100% valable qui produit au moins une solution supplémentaire au lambda CDM. Avec le truc matière noire, énergie noire d'un seul coup là, c'est... Et oui, Janus, nous en convenons tous avec mes consultants, est effectivement un modèle valable sur le plan conceptuel.
Alors bien sûr, il reste à voir si l'aspect quantitatif et prédictif le sera lui aussi. Vous l'avez dit vous-même, hein, pour que Janus soit conforme à l'observation, il reste encore beaucoup de vérifications à faire, hein, notamment sur le fond diffus cosmologique, mais comme vous êtes en train de travailler là-dessus, on va pas épiloguer à ce sujet. Il convient donc, à ce stade du débat, de faire un état des lieux. Janus est une théorie valable, c'est-à-dire que c'est peut-être vrai que l'univers est comme vous le dites. Malheureusement, et on l'a vu, c'est pour des raisons tout à fait naturelles, elle est loin d'être aussi développée que le modèle lambda-CDM au niveau de la concordance avec l'observation. Elle est également un peu plus pauvre que ses concurrentes en termes de preuves expérimentales, d'arguments de réfutabilité, pour des raisons techniques, hein, on l'a vu, principalement votre solitude et le manque de moyens humains. Et moi je pense aussi, enfin c'est ma petite hypothèse à moi, pour votre mauvaise réputation, mais bon voilà, c'est mon idée, à moi, mon hypothèse. Alors, les autres théories concurrentes, hein, vous en avez listé une vingtaine je pense dans un de vos épisodes, mais il y en a des centaines, elles apportent elles aussi, pour avoir le droit d'exister, leur lot d'explications supplémentaires au lambda-CDM, leur lot d'hypothèses, etc. D'ailleurs j'ai jamais vu de scientifique contredire le fait que ce modèle avait peu de mérite, avec ses paramètres libres. On l'utilise faute de mieux, hein, c'est quelque chose d'assez connu. Il me semble donc que les autres théories sont autant de pistes parallèles et non pas concurrentes. Du coup, j'ai envie de poser une question un peu crue. Doit-on, selon vous, aujourd'hui, là, maintenant, considérer que Janus est supérieur à ses concurrents ? Cher Sam, eh bien évidemment, ça n'est pas à moi de prendre la défense de mon modèle par rapport à d'autres. Je crois que c'est un truc qui va se débattre au sein de la communauté scientifique. Alors ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait une demande d'aide financière aux internautes et ils ont répondu, ce qui fait que je vais partir cette semaine au colloque de Francfort et ce sera la première étape d'un long périple, puisque après, si j'ai un papier qui est accepté, j'irai aussi au colloque de Garching, et j'irai de toute façon au colloque de Paris, et puis de toute façon aussi au colloque de la American Physical Society à Los Angeles en 2018. Parce que, vous voyez, défendre des idées scientifiques, si on ne peut pas voyager, c'est pas possible. On est complètement enfermé dans son coin. C'est seulement maintenant que ça va commencer. Et je dirais même que, grâce à l'aide des internautes, je suis en train de faire doter ces vidéos de sous-titres en anglais. Et c'est un travail pointu qui demande bien 3 jours pleins par épisode. Donc, je paye un gars pour ça. Il fait ça mieux que je ne le ferais moi-même. Et il faut trouver les bonnes phrases avec du bon anglais, les positionner exactement au bon endroit. C'est pas commode. C'est facile de faire du médiocre. Donc moi, je compte beaucoup sur cette version sous-titrée de ces vidéos comme moyen de communication. Parce qu'il faut vous dire une chose, c'est que vous avez remarqué d'ailleurs que s'agissant de ce modèle Janus, je dirais presque qu'il faut se taper les 19 vidéos pour vraiment commencer à comprendre de quoi il retourne. Ben, c'est valable aussi pour les scientifiques. On peut pas condenser ça en une vidéo de 25 minutes. Il y a trop de choses nouvelles et importantes. Alors maintenant, qu'est-ce que ce modèle apporte que les autres modèles n'apportent pas ? Ben, il y a quand même pas mal de choses. Par exemple, regardez, ça apporte une réponse à ce phénomène du Great Repeller, le truc trouvé le 30 janvier, avec une région du cosmos qui repousse les galaxies. Bon, soit alors il y a des revues qui titrent encore une énigme de plus, soit alors on dit simplement, c'est une bulle dans la matière sombre, mais ça, il faut expliquer pourquoi. Donc là, j'ai un point d'avance. Ensuite, il y a autre chose, c'est que ça, il va falloir que je puisse réactiver tout ça, puisque ça date de 92. Le modèle Janus fournit des structures spirales stables. Bon, ensuite, il y a un truc où si j'ai un point d'avance, il n'y a pas d'astroparticules. Moi, je prédis qu'on n'en trouvera pas, et vraiment, les faits me donnent raison. Ensuite, tout ça pourra se faire quand j'aurai pu développer avec des gens avec qui je suis en contact des choses qui nécessitent des moyens de calcul extrêmement puissants, donc sur le scénario de naissance des galaxies. Autre point, par exemple, lorsque le redshift est supérieur à 7, on trouve que les galaxies ont des magnitudes atténuées et on considère que c'est des galaxies naines. Bon, moi j'explique que c'est pas des galaxies naines, c'est simplement que c'est l'atténuation par effet de l'antigravitationnel négatif.
Enfin, il y a quand même une chose qui est intéressante. La matière négative, elle ne fait pas que remplacer d'un coup la matière sombre et l'énergie noire. Elle fournit une indication précise sur la nature de ses composants. C'est pas de la matière sombre et l'énergie noire, c'est de l'antimatière de masse négative, donc des antiprotons de masse négative, des antineutrons de masse négative, des antiélectrons de masse négative, des anti n'importe quoi. Et ça apporte en particulier une réponse à l'absence avérée d'observation d'antimatière. Alors enfin, il y a cet aspect qui est assez amusant, qui est le fait effectivement que voilà un gars qui pédale tout seul dans son coin pendant 40 ans, cet état de fait avait servi d'argument pour Étienne Klein, qui d'ailleurs me cite sans me citer, puisqu'il parle d'un ingénieur retraité qui travaille là-dessus depuis 40 ans et qui considère que le fait d'avoir travaillé en solitaire, c'est un argument quant à la pertinence de ses travaux. Bah, d'abord, j'ai pas travaillé en solitaire, en ce sens que j'ai toujours joué le jeu, j'ai toujours fait des publications dans des revues et comités de lecture, et Dieu sait, c'était difficile. Puis alors, ma foi, j'ai quand même eu des partenaires qui s'appellent Alexandre Grothendieck, qui s'appellent Lichnerowitz, qui s'appelle Souriot, bon, je ne sais pas, les premiers venus, bon, et par exemple avec Souriot, j'ai interagi 3 fois par semaine pendant 20 ans, quoi. C'est quand même pas rien, bon. Alors il vaut mieux un bon partenaire que 50 avec qui il ne saura rien, quoi, c'est tout. Justement, cette position de Klein, moi je dirais même que c'est grave, parce que des grandes avancées scientifiques ont souvent été faites par des gens complètement seuls. Regardez par exemple Boltzmann, il a eu une œuvre extraordinaire et il était complètement isolé toute sa vie, quoi. Donc le fait de considérer que quelqu'un ne travaille pas en groupe parce qu'il est rejeté, parce que les gens ne veulent pas travailler avec lui, ça, il y en a plein l'histoire des sciences. Mais inversement, comment se fait-il que depuis 50 ans, notre science pédale, notre science patine? Bah, regardez par exemple les supercordes, voilà des choses. Oh là là, on ne pouvait pas être plus en groupe que dans les supercordes. C'était même au point que si quelqu'un voulait faire une thèse en physique théorique, s'il n'était pas dans la supercorde, ça ne marchait pas. Vous avez des tas de domaines comme ça où on impose aux gens de s'intégrer. Par exemple, prenez la physique des plasmas. Eh bien, actuellement, un physicien des plasmas en France qui ne veut pas travailler sur ITER et qui ne veut pas travailler sur mégajoules, il est au placard. Moi, j'ai un ami comme ça, ça fait 10 ans qu'il n'a pas de crédit, il tourne en rond et il peut pas travailler, quoi, c'est tout. Par contre, mégajoule ITER, mon Dieu, quelle synergie avec un truc qui donnera rien. Donc vous avez quand même des situations de gens qui sont terriblement synergiques, qui travaillent au coude à coude, qui se rencontrent, qui échangent incroyable, et ils sortent que dalle. Voilà. Bon, bah, je pense que voilà les réponses que je peux fournir à votre question. Je conclurai simplement par la phrase suivante. Que le meilleur gagne. Votre enthousiasme est saluable, mais pour un petit peu dévoiler nos cartes, c'est également un des trucs qui nous fait le plus peur depuis le début. Et je voudrais bien, très brièvement pour les internautes, revenir sur l'argument du scientifique seul, parce que c'est important. Voici l'extrait vidéo d'Étienne Klein que vous mentionnez. La notion de discussion me paraît fondamentale. Alors, moi, comme tous les physiciens, je reçois tous les jours le manuscrit d'un type à la retraite, ingénieur qui m'explique qu'il a résolu tous les problèmes de l'univers, de cosmologie. Et l'indice qu'il donne pour qu'on donne du crédit à son travail, c'est qu'il y travaille depuis 40 ans en solitaire. Et là, le « en solitaire ». Il ne fallait pas l'écrire. Bah non. Non. Non, parce que ça peut être... Il faut discuter. Il faut présenter ses résultats, il faut les critiquer, il faut accepter des points de vue autres. S'il n'y a pas cette interaction, si on pense qu'un cerveau seul est capable de découvrir la vérité, on se trompe complètement. Oui, ça c'est une démarche très scientifique. Mais... L'objectivité de la science ne vient pas du fait que les scientifiques seraient objectifs. Je ne connais pas un seul scientifique qui soit objectif, ça n'existe pas. En revanche, il y a une objectivité de la science qui vient d'une objectivation par la discussion, par la critique des travaux des scientifiques, ce qui est tout à fait autre chose. L'objectivation est le résultat d'un processus collectif.
Ce qu'Étienne Klein aurait dû ajouter, peut-être, c'est que l'argument du scientifique seul joue également contre les Boltzmann et les Galilée de l'histoire. Cet argument est non seulement sans rapport avec la qualité des travaux d'un scientifique, mais en plus, il joue contre lui, puisque la solitude est générateur de manque de recul, etc. Alors que le grand public y voit un argument en faveur du travail accompli. Car trop habitué à entendre des histoires de héros seuls contre tous, hein, dont nous sommes tellement friands dans nos films et nos romans. Mais vous n'étiez pas seul, vous avez eu d'excellents interlocuteurs, et puis surtout, si la solitude jouait en faveur d'un travail scientifique, bah, tous les scientifiques travailleraient seuls. Par contre, quand vous dites qu'à l'inverse, une grande équipe ne garantit rien, vous parlez en réalité de la validité de l'hypothèse de départ, hein. Très important de faire la différence. Moi, je parle de son développement. Par exemple, une grande équipe qui travaillerait sur la particule caméléon peut en effet ne rien produire, puisqu'on ne sait pas si la particule caméléon existe. Mais le développement bénéficiera de beaucoup plus de prudence, de variété de compétences et de synergie que si ça avait été développé par un homme seul. Ne passons pas 1000 ans là-dessus, de toute façon, ça ne nous avance pas à grand-chose. C'est sans doute difficile à comprendre pour le grand public, mais notre inquiétude principale repose sur le fait que vous semblez être certain d'être dans le vrai, alors qu'il reste énormément de travail à accomplir avant de pouvoir énoncer de telles garanties. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que suffisamment de travail a été accompli et que vous avez suffisamment de données quantitatives pour vraiment pouvoir affirmer que Janus fournit des structures spirales stables, que Janus explique le Great Repeller, que Janus explique l'absence d'antimatière, et on va déjà se concentrer sur ces trois points en fait. Parce que après avoir passé vos arguments à la loupe, mes consultants et moi, ce dont on a l'impression, c'est qu'il s'agit plus de conjectures, de convictions fondées, mais pas du tout certaines. Vous dites texto que Janus fournit des structures spirales stables. Mais vous savez qu'une simulation qui permettrait de l'affirmer avec autant d'aplomb doit être beaucoup plus complexe que celle que vous montrez. Nous n'y avons pas trouvé de justification quantitative à la courbe plate de vitesse de rotation. Il y a des questions cruciales en suspens avec la friction dynamique. Il faut aussi voir comment se passe la formation des étoiles, la gestion de la dynamique du gaz, enfin, etc. Enfin, c'est pour cette raison que vous voulez d'ailleurs produire une meilleure simulation. Et puis, des simulations de galaxies stables, bah, il en existe, contrairement à ce que j'ai parfois l'impression que vous essayez de dire. Je vous envoie les liens par mail et ils sont dans la description, comme d'habitude. Vous dites que Janus explique le Great Repeller. Alors on a tous envie de dire pourquoi pas, comme tout le reste de vos idées, que vous argumentez de façon qualitative. C'est intuitivement séduisant, mais bien sûr, en science, il faut que ce soit un peu plus que séduisant ou intuitif pour être considéré comme possiblement vrai. Pas parce qu'une idée paraît évidente qu'elle a plus de chances d'être vraie. Il nous manque les données quantitatives qui permettraient de montrer que les mouvements des galaxies tels qu'on les observe sont compatibles avec votre hypothèse d'un amas de matière de masse négative précisément à cet endroit. Parce que en l'absence de ces données, si on veut rester logique, la présence de matière de masse négative n'a pas plus de raison d'exister à cet endroit que l'absence de matière noire. Le mystère reste entier pour Janus, comme pour le lambda CDM, tout le boulot reste à faire. Vous dites que Janus explique l'absence d'antimatière. Mais avec l'hypothèse que vous utilisez pour arriver à cette conclusion, on finit avec des antiquarks en proportion 3 fois plus importante que les nucléons. Et ça, à notre connaissance, c'est pas conforme à l'observation. Mais c'est ça le problème qu'on a avec Janus, c'est qu'il n'y a pas assez d'études théoriques et de simulations crédible pour confronter la théorie à l'observation. Pas autant qu'on a pu le faire avec les autres modèles. Avec tout ce qu'on a pu voir et tout ce qu'on a pu analyser sur Janus pour l'instant, pour nous, Janus est tout aussi ad hoc que le lambda CDM, puisque les deux théories peuvent s'adapter à n'importe quel profil de densité de matière noire ou de matière de masse négative qu'imposeraient les observations. C'est aussi une sorte de modèle de concordance, enfin, on a l'impression. Il faut confronter la théorie aux observations, pour affiner le modèle et faire des prédictions testables. Et ça, ça a été fait dans le cas du modèle lambda CDM de façon très poussée. On peut cracher dessus avec ces 6 paramètres libres, mais ça a été un succès incontestable. Mais bien entendu, Janus est un chantier en cours, pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées. Moi, la seule chose qui m'embête, c'est qu'en affirmant que Janus explique telle chose, comme ça, de façon très certaine, bah, on s'attend à trouver beaucoup plus de données que ça, pour le confronter à l'observation, et donc forcément c'est pas étonnant qu'on puisse être inquiet de l'écart qu'il y a entre l'enthousiasmant de promesses et l'état des lieux de la théorie. En gros, on a le sentiment que vous nous promettez un dessin, et puis vous nous montrez un croquis. Un bon croquis, mais là où je m'inquiète, c'est de savoir si vous considérez vraiment que c'est déjà un dessin, parce que vous en parlez comme tel. Alors j'aurais voulu aborder le problème des dynamiques galactiques qui demande un peu de vulgarisation,
Et puis vous dire aussi que mes consultants trouvent ça étrange que vous comptiez sur des vidéos YouTube pour parler de Janus à la communauté scientifique, à moins qu'on ait mal compris. Et puis aborder d'autres thèmes un peu plus pointus, mais le temps me manque dans cette présente réponse. Difficile d'être bref et complet à la fois, puisqu'on me rapproche d'un peu trop parler. En tout cas, je voudrais répéter aux internautes mot pour mot votre excellente réponse lorsque je vous demandais si nous devions aujourd'hui conclure à la supériorité de Janus. Vous dites « ce n'est pas à vous de prendre la défense de votre modèle par rapport à d'autres ». Ça doit se débattre au sein de la communauté scientifique. Et c'est exactement ça. Vous faites actuellement le tour de tous les colloques avec un travail dûment publié. Personne ne vous empêche de présenter vos posters. Vous allez croiser des centaines, si pas des milliers de scientifiques. Bon, vous n'allez pas tous leur parler, mais vous voyez l'idée. Si votre travail ne convainc pas à l'issue de cette tournée, bah, je me dis que c'est qu'en l'état, il n'est pas convaincant. Quel que soit l'endroit où ça coince, la réalité, ce sera que ça coince. Alors, les internautes, arrêtons avec les arguments du type « oui, mais la communauté scientifique veut pas se remettre en question, blablabla... » Elle le fera avec le temps et le nombre de gens exposés à la démonstration. Si, et seulement si, la démonstration est au point. La science, ça ne fonctionne pas comme la politique. Alors peut-être au niveau local, hein, peut-être qu'il y a des petites guéguerres, machin, mais dans l'ensemble, c'est pas comme ça que ça marche. Si Jean-Pierre Petit a raison, la communauté scientifique le reconnaîtra parce que Jean-Pierre Petit est en train de faire ce qu'il faut pour que ça arrive. Si ça doit arriver. Salut Sam, on est le 6 août 2017 et je suis rentré du colloque de Francfort et j'ai lu votre réponse. Je vais essayer de répondre moi à mon tour. Simplement, je veux dire que ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que les internautes aient envisagé de soutenir l'action que j'ai l'intention de mener. Une action avec 4 congrès par an, ça fait 10 000 euros. Ensuite, il faut rajouter les frais pour le sous-titrage en anglais, qui doit être de qualité. Ça fait 7500 euros pour les 19 épisodes. En gros, si je continue à 2 vidéos par mois, ça fera 15 000 euros par an de frais pour participer. Et lorsque je suis arrivé à Francfort, je vais vous donner un exemple, une petite anecdote. Donc, à un moment, comme j'ai vu que ça tournait beaucoup autour des trous noirs, j'ai pris le calcul que j'ai publié dans Modern Physics Letters A en 2015, là-dedans, justement, sur l'élimination des singularités avec un changement de variable, puis j'ai mis ça sur un tableau noir. Et évidemment, ça a intrigué des gens, et il y a un gars qui s'est manifesté, un peu sceptique. Alors j'ai fini par mettre ce calcul, le détail par écrit sur une feuille de papier que je lui ai donnée. Alors il s'est assis, pendant un quart d'heure, 20 minutes, il a regardé ça avec beaucoup d'attention, en cherchant l'erreur, quoi, disons. Puis il n'a pas trouvé, alors il me l'a rendu. Bon, pourquoi pas, mais après, c'est quand même un senior researcher, ce type-là, il avait plus de 60 ans. Je lui ai dit, vous connaissez le travail de Schwarzschild de 1916, l'article original. Il m'a répondu qu'il l'avait jamais lu. Alors ensuite, je lui ai dit, mais est-ce que vous connaissez l'article qu'a fait paraître quelques mois plus tard Hilbert? Il n'avait pas lu non plus. Et c'est là que je commence à réaliser que finalement, peut-être rares sont les gens parmi ces gens spécialistes en cosmologie qui ont lu ces articles. Donc je lui ai dit, écoutez, moi je les ai sur mon portable. Comme vraiment le problème se situe dans cette formulation, est-ce que vous ne voulez pas qu'on les regarde? Non, non, il est parti. Donc ce ne sera pas si commode que vous ne le croyez. Là-bas, il y avait des Français. J'ai discuté avec l'un d'eux qui avait fait sa thèse sur les supercordes. Bon, ben, il est ennuyeux, quoi, parce qu'il ne sait pas trop quoi faire. Il y a des gens qui ont fait des présentations sur l'évolution des cordes cosmiques. Et il y a même une dame qui nous a expliqué qu'il ne fallait pas s'inquiéter, parce que ce n'était pas dangereux. Et puis, il y a des types qui ont expliqué comment on pouvait voir apparaître des paires de mini-trous noirs pendant la phase inflationnaire. Il y avait des collisions de Brahne, il y avait l'univers holographique. Enfin, ce que je pourrais dire, c'est que ce colloque, le point général, c'est que c'était une astrophysique totalement dénuée d'observation. Maintenant, si vous cherchez à avoir des échos émanant de gens qui ont participé à ce colloque, et si vous leur demandez est-ce que la présence de Jean-Pierre Petit vous a paru marquante, ils vous répondront que je suis passé totalement inaperçu. Voilà la photo qui est prise où je suis avec un jeune Italien très sympathique qui s'appelle Lorenzo et qui m'a dit
Je me demande ce que vous venez foutre dans ces colloques, parce que de toute façon, comment voulez-vous que les gens fassent autre chose que vous tourner le dos? Tout ce que vous proposez, ça flanque en l'air toutes les bases de leurs travaux. Donc, vous perdez votre temps. Je ne sais pas qui vous avez comme correspondant, si ce sont des chercheurs qui vont dans des colloques, mais quand je vois la façon dont vous imaginez le jeu scientifique à la fin de votre prestation, moi, ça me paraît surréaliste. Dans ces colloques, chacun n'écoute que lui-même. Les gens y vont pour dire « voilà, j'ai été à ce colloque » et mettre ça dans le rapport d'activité. Le dialogue n'existe pratiquement pas. Vous savez, c'est assez extraordinaire. D'autant plus que ces gens-là n'ont pas de résultats observationnels à produire. Alors pourquoi aller dans ces colloques? Eh bien, moi je pense que d'abord, il faudra que mes idées soient perçues simplement par les scientifiques. Et c'est pour ça que je compte sur les vidéos. Parce que pour comprendre Janus, il faut se taper une série impressionnante de vidéos, sinon j'en comprends rien, je vous assure. Et les scientifiques ne sont pas beaucoup plus armés pour aborder tous ces problèmes de géométrie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour faire réagir ces scientifiques? Ben, je pense qu'il faut les attaquer. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais toucher à leur joujou, au modèle du trou noir. Et ça, je vais faire ça dans le prochain congrès. Il y aura effectivement un poster avec le trou noir issu d'une erreur faite par Hilbert dans l'interprétation de la solution de Schwarzschild. Je suis pas le seul à le penser. D'ailleurs, il y a un autre Italien qui s'appelle Antoci. Mais ces critiques qui émanent déjà depuis quelques décennies seront totalement ignorées du public. Alors, ma foi, je vais mettre ça dans un poster, même dans des posters. Et qu'est-ce qui se passera s'il n'y a pas de réaction? Ben, disons qu'un propos comme celui-là, ça appelle une réplique cinglante. Ça ne peut pas être salué parce que Riazuelo appelait un silence poli. Si j'installe un poster faisant état de critiques aussi vives, et si vraiment c'est inconsistant, si ça ne mérite qu'un silence poli, alors on pourra se demander, mais comment se fait-il que les organisateurs acceptent un tel olibrius dans ces congrès scientifiques au top niveau de la science? Je n'irai pas plus loin dans ces commentaires sur ce premier colloque et sur les suivants, parce que je peux vous dire la chose suivante, il faut un sacré courage pour aller là-dedans. Hein. Parce que vous croyez que dans le milieu scientifique, on échange, etc. Non, simplement quand vous vous trouvez au coffee break et que tout le monde vous tourne le dos, vous faites quoi? Puis après, quand c'est entre midi et deux, vous dites « Il y a quelqu'un qui peut venir déjeuner avec moi ?» Non, non, vous vous retrouvez seul dans votre hôtel, dans votre chambre. Bon, comme c'est pas tellement le sujet de cette vidéo, je vais prendre un petit peu vos commentaires. Vous m'écrivez, vous me dites « On finit avec des antiquarks en proportion trois fois plus importante que les nucléons. » Et ça, c'est pas conforme à l'observation. Bien sûr, les antiquarks, ils sont pas conformes à l'observation puisqu'on les observe pas. Mais il y a une chose, c'est que si c'est valable, c'est que c'est le modèle de Sakharov. Il faut nécessairement trois fois plus d'antiquarks que de nucléons parce qu'il faut trois antiquarks pour faire un antinucléon. Bon, alors, vous me dites par exemple que le modèle lambda CDM explique les choses très brillamment, alors j'aurais envie de vous répondre, mais c'est quoi cette constante cosmologique lambda? C'est quoi ce pourvoi répulsif du vide? Il est dû à quoi? C'est quoi cette énergie noire? Quand même intéressant. Je veux dire que, alors effectivement, j'ai pêché un petit peu par un peu trop d'assurance. Au lieu de dire ça explique, j'aurais dû dire ça fournit des débuts d'explication. Par exemple, le modèle Janus fournit un début d'explication sur la nature des particules invisibles. Tandis que la matière sombre, eh bien, c'est une particule mystérieuse. Et puis l'énergie noire, c'est mystérieux. Et prenez par exemple le Great Repeller, l'effet du répulseur, là, comme ça. Eh bien, allez voir dans les revues de vulgarisation, vous verrez, encore une énigme pour les scientifiques. Alors vous dites par exemple, on peut mettre les choses sur le même plan, vous vous dites c'est un conglomérat de masse négative, et le modèle standard dira que c'est un trou dans la matière sombre. Ben, essayez de comprendre la différence. Dans le modèle Janus, ce modèle est capable d'engendrer des conglomérats de masse négative par instabilité gravitationnelle. Alors que la question qui se pose, c'est que s'il y a un trou dans la matière sombre, à quoi c'est dû? Quel est le phénomène, quel est le mécanisme qui a créé cette lacune? J'en vois pas. C'est dommage que vous ne puissiez pas venir au colloque Cosmo 17 pour cette séance de poster.
J'aimerais que vous soyez témoin pour voir comment ça se passe. Moi, je vais être à côté de ces panneaux, et puis vous avez des gens qui vont passer, qui vont regarder ça. Un type qui vous balance deux équations de champ couplées en disant « la première, c'est celle d'Einstein », mais en fait, il y en avait deux. A priori, c'est un mythomane. Si je leur demande « vous voulez l'explication ?» Non, 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 non. C'est pas commode d'attirer le chaland avec des trucs pareils. Et s'agissant d'un truc sur les trous noirs, comme ça, ça va être le haussement d'épaule. Regardez le type à Francfort, à qui j'ai proposé de débattre sur les papiers de Schwarzschild et de Hilbert. La réponse a été simplement « non merci ». Vous savez, le soutien des internautes, c'est pas seulement un soutien matériel, c'est aussi un soutien moral. Sans ça, j'aurais laissé tomber, moi. Parce que cette participation à des colloques, je vous assure que ça ne sera pas une partie de plaisir. Effectivement, il est possible que j'idéalise un peu ces colloques parce que je me base sur ce que m'en disent mes consultants qui, eux, le vivent d'une façon très différente de ce que vous décrivez. Bon, on n'a qu'à se dire que tout le monde vit ce genre d'événement à sa manière, selon ce qu'il y apporte, ce qui est plutôt logique en fait. Merci beaucoup d'avoir confirmé que la prudence est préférable quand on affirme quelque chose, particulièrement en science. Moi je pense que la prudence dans le discours est un détail crucial pour percevoir le sérieux d'un scientifique. Je pense que c'est vraiment un des tout premiers indices qui permettent de savoir s'il faut se méfier, quand on n'est bien sûr pas suffisamment compétent pour évaluer la validité du sujet qui nous est présenté. Mais ça, comme je le disais dans la première vidéo, c'est pas un réflexe qu'on a, hein, de savoir si on est vraiment compétent pour évaluer ce qu'on est en train d'entendre. Dans le prochain épisode, je propose qu'on tente de se limiter à un argument à la fois, hein, quitte à en faire une liste et à les passer en revue un par un, parce que à revoir nos échanges dans cet épisode, je pense qu'on a largué une partie du public. En brassant plusieurs sujets sans vraiment prendre le temps de tous les vulgariser. C'est passionnant, alors on s'éparpille, mais du coup, c'est un petit peu moins constructif. En tout cas, on a plein de choses à dire sur votre réponse, alors vivement la suite. Votre attention s'il vous plaît, je suis bien placé pour savoir que c'est parfois difficile à suivre. Alors si vous avez des questions, et des choses que vous comprenez difficilement, surtout n'ayez pas honte, hein, allez-y, demandez dans les commentaires. La charte de Versus nous recommande de ne pas débattre de Janus dans les commentaires, mais par contre, on peut vous aider à comprendre de quoi on cause, hein, ça c'est totalement autre chose, et puis surtout, c'est que du bénéfice pour tout le monde. D'ici là, si ça vous a plu, si vous trouvez qu'on fait du bon boulot, le pouce bleu. C'est chiant, mais c'est comme la vaisselle, c'est indispensable. S'abonner, ou vérifier qu'on est toujours abonné, puisque YouTube vire des abonnements comme ça, au hasard. Eh ouais, ouais, ouais. Et pour ceux qui voudraient manifester leur soutien avec un geste concret, eh ben, il y a Tipeee. Et je remercie vraiment de tout cœur tous ceux qui ont franchi ce cap, c'est vraiment de l'espoir en l'humanité. Oh, quel poète! Allez, on se cause sur Twitter, sur Facebook, tout le bordel. D'ici là, faites gaffe aux méthodes que vous employez pour ce que vous vous mettez dans le crâne. Et puis surtout, quand vous êtes sceptique, restez humain !